Bon, désolé, mon téléphone a coupé. Je recommence, petit direct pour de la ville d'Angers pour accueillir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Prends les deux ensemble. Partagez, partagez. Putain, je suis dégoûtée, j'étais à 76 vues là. Partagez, on accueille Emmanuel Macron en direct de la ville d'Angers. Mon téléphone a bugué, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. En direct d'Angers pour accueillir Emmanuel Macron. Bah oui, je suis partout. Tu fais tes gamins à l'école, puis après tu viens, toi. C'est ça. Je suis en arrêt maladie, je peux pas travailler avec ma main, donc j'occupe mon temps. Mais c'est vrai, je suis en arrêt. Bah tu vois, on est des cassos. Hier, il y en a... Ouais, voilà, on est des cassos, non, voilà. Il y en a un, il laisse un commentaire, il me dit, ouais, bande de cassos avec ça. Ah oui, j'ai vu, ça m'a vous énervé. Avec ça... Non, mais il dit, vous avez que ça foutre et tout. Et là, je regarde comment il a écrit. Et là, je réponds, mais mon gars, avant de venir me casser les couilles, tu peux essayer d'écrire correctement parce qu'il y a au moins 10 fautes par phrase, quoi. Il t'a dit quoi? Il a dit, bah tu sais, quand t'as plus d'arguments, tu commences à encore plus insulter et tout. Ah, j'ai dit, bon, écoute, pour Noël, je vais t'acheter un Becherel, hein, parce que là, je peux rien pour toi. J'en ai un, si tu veux, à donner. Je le donne volontiers pour faire des c'est cours. Mais quel toker, je te jure. Et il serait mieux d'être gilet jaune s'il est illettré, lui aussi. Non, mais les gens, ils te traitent d'illettré, ils écrivent comme des bonnets. Non, mais vas-y, laisse tomber, ils ont rien compris à la vie, ils sont cons. J'aurais en face de moi, je vais pas. T'inquiète, on va lui casser la gueule. Mais du coup, il est venu, ton mari, non? Bah oui, il est là. En fait, c'est lui qui m'a demandé un ami. Oui, peut-être. Tu m'as demandé un ami sur Facebook? Ouais. Voilà, écoute, j'avais 74 vues. Mon téléphone, il a coupé, je suis dégoûtée. C'est ça, c'est ça. En non, mais direct. Tu pouvais investir dans une auberge. Non, j'ai pas voulu l'emmener parce que la dernière fois, il y a un gars. Il a pris 4 heures de garde à vue pour une perche. Oui, mais si tu la mets. Oui, mais si tu la sors tout de suite. Ah, on sait jamais. Non, si tu l'as, j'avoue qu'il n'a pas tort, lui, il l'avait dans le sac. Parce qu'en plus, tu aurais. Parce que tes vidéos, c'est super bien. Non, mais il parle pas de la perche à Sylvie. Pas la perche à Sylvie. C'est 140 balles, tu vois. Mais après, j'avoue, si tu filmes. Après, si tu filmes. Toi qui fais beaucoup de vidéos, c'est. Parce que toi, en fait, ça bouge beaucoup, alors c'est super intéressant. Et c'est vrai que ça bouge énormément. Bah attends. Les gens, si vous voulez m'offrir un cadeau d'anniversaire pour le 26 mai, je veux bien une perche à Sylvie. Ça coûte 140 balles à... Gendarmerie pour accueillir Macron. De rien. En plus, ils m'ont fait un coucou. On va voir ce qu'ils ont derrière. T'as vu tous les champs. Ah, par contre, ils ont un équipement de bâtard derrière. Attention, on va se faire ça. Il vient de paraître là qu'on a plus, on a interdiction de manifester à partir de 8h et qu'on n'a pas le droit d'aller au centre-ville. MDR. Ouais. On n'a pas le droit de manifester, et ben on les emmerde. Liberté d'expression, liberté de manifester, c'est dans les droits de l'homme. On s'est battu pour ça. Bon, je vais aller refilmer un petit peu là-bas parce que j'ai eu un petit souci. Bah bien évidemment, tu crois quoi? Non, 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 non. Les emplois précaires, les jeunes dans la galère, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Il prie par ordonnance, supprime les APL. C'est comme ça que t'avances, t'auras des coups de pète, des gros coups de pète. Mais vous n'êtes pas des terres. Ah, moi je connaîtrais ta chanson, je chanterais, mais je la connais pas, c'est le problème. Tu m'écrires les paroles, t'inquiète, tu me connais, je suis motivée, je chante partout. Ouais. Mais nous aurait fallu emporter vous. Ah putain, mais j'avais peur de me le faire confisquer. Mais non. Attends, je suis sûre que si. C'est la propriété d'un morceau et d'un syndical. Déjà, je me suis dit, j'allais me faire parquer cette nuit avant d'aller à la lutteuse des gilets jaunes d'Angers. Hop là, en garde à vue. Ils en ont un là-bas, les profs, si tu peux essayer de leur taxi. Oh ouais, si je peux voler à porte-voix des profs, vraiment là, c'est...
je vois tous de traître, prépatrie et ma contrée. Salut. On n'a pas vu ça. Ça va? Ça va, toi? Putain, hier on comptait sur toi. Attends, je suis en direct. On voulait une équipe. Et puis t'as vu sur les cartons. Bah ouais. Où ça, la manif de l'après-midi là? Non, non, ici là, la manif de là. Regarde, j'ai proposé ça hier. Vas-y, y a pas un ange qui a des couilles, putain. Bah ouais, mais là tu veux niquer quoi? Tu mets une bombe lacrymo là-dedans, y a plus personne. On va rester à 4. Quête la beauté, garde la baguette. Ah putain, je suis dégoûtée pour toi, le poids, ma poulette. Bah j'étais pas même. Elle m'a fait rigoler une fois. Elle met une vidéo avec le CRS avec un feu. Ah Farah, c'est pas possible, il y a son mari qui est avec moi en train de jeter les pierres de l'autre côté. Chut, tu es en live. Ah, t'inquiète, on connaît pas, on connaît pas. Non, ça va, ma vidéo elle a bugué, j'avais 73 vues tout à l'heure. T'as de la chance, je suis rendu qu'à 13 parce qu'il y avait encore un brouilleur à côté de moi. Mais te rappelles de ça ou pas? Ouais, je rappelle. T'as des brouilleurs toi aussi, mais moi aussi ça me fait ça, c'est bizarre ça. Là, c'est bizarre ça quand même. Salut, ouais, ça va? Salut, ça va et toi? Oui, nickel. Ça va, tranquille? Nickel, on est là. On est là, on lâche rien. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Après, s'il y a moyen de faire un petit coup de bordel. Moi j'aime bien, moi. Attends, là, j'ai appelé plein de monde, moi. Moi, direct, pas direct, on a les couilles, moi. Moi, s'il y a moyen de faire un on petit est coup de bordel. On est là. Ah, mais là, tu m'appelles, ma poule. En fait, les barricades, c'est aujourd'hui. On s'est trompé de jour. C'était une blague, une ex. En plus, mon mari t'a envoyé un message hier. Je l'ai eu hier, ouais. Bah, oui, on était au pays, nous. On attendait que ça. On a mis les gosses en garde exprès. T'sais. Non, mais ça va se faire. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Dans ce les chats noirs, ils sont pas venus. Bah, si, je suis là. Il y a toi, il y a qui d'autre? Bah, normalement, ils vont pas tarder. Enfin, j'espère. J'espère vraiment. Mes chats, venez! Bah sinon tu les représentes. Hein. T'inquiète, elle sait. On n'a pas besoin d'être 15. Hein. Non, bah alors je suis là. Enfin, nous on est là. On est là. Oui, on est là. Je jaune parce que je dis tout à l'heure on va me prendre pour CGT ou je sais pas quoi, c'est mort. Alors, bah oui, à toi, Louis, j'avoue, t'as tes gilets jaunes. Enfin, moi je porte pas. À 3 milliards de pourcents. Moi j'ai gilet jaune mais j'ai la chatte noire. Et t'arrêtes celle-là, voilà. Bon, regardez là! Accueil de Emmanuel Macron à la ville d'Angers, dans le Maine-et-Loire 4-9. Tiens, ma poulette. Salut, ça va? Et toi? Ça va? Tiens. Et toi? Ça y est, j'ai déliré en train de le faire. Je vais pouvoir me mettre au chute. Bah oui! Ah, pardon, excuse-moi! Ah mais elle reconnaît personne, regarde. Ah mais ça va. On est en direct à la ville d'Angers pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il vient aujourd'hui sur la ville d'Angers, Maine-et-Loire 4-9. Venez nombreux. On est au centre des congrès, l'hôtel Mercure. Camille, viens. Venez mon équipe là. Même si le travailleur est pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Oui, on est là. Ça va? Ouais. Ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On lâche rien. Tiens, il y a une compagnie de CRS qui arrive encore là. Ah putain, il y a... Regardez, il y a quoi? Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Allez, ouais. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, oui on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un
un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Il y a les CRS qui nous encerclent. Chistar, il y a le groupe qui arrive. Les chats. Ouais, ils viennent de ce bon live. Camille, ouais, on t'attend là, les chats. Hey, il y a les CRS. Hein? Ah, tu pourras pas. Hein. Moi, je reviens sur où? Moi, je pars sur une heure. Mais quelle idée de venir à cette heure-ci en voiture rangée? Ils sont cons, les gens. Je comprends pas, moi. Ils ont pas les infos, peut-être. Bah ouais, bah ils suivent peut-être BFM, en fait, c'est ça. Imagine ça, là. Ça va? Ah ouais, ma poule, t'es trop belle, ouah. J'ai ma capuche qui me fait chier, mais... T'inquiète, ça protège bien la capuche pendant un moment. Ils cherchent à nous encercler, les flics. Tu mets les deux. Eh, les flics cherchent à nous encercler, ça va? Ouais. Regarde comment je suis une star, il y a 337 personnes, 34 qui me regardent. Oui, mais moi, je suis bloqué. Les CRS, ça commence à nous encercler. Ça va? Oui, ça. Regarde comment je suis une star, voilà les gens qui me guettent. Yeah, au taquet. Ah, trop bien. On est pas assez, là. Hein. Ah non, les Angevins, les gens, allez, on vient à la ville d'Angers, là. On accueille Emmanuel Macron. Y a personne qui nous attend au ralliement? À 11h, les professeurs Bon, bah, c'est à préfecture. Bon, bah, tu passeras pas le préfecture. Bah, ça, je le sais. Tiens, ma grande, toi, tu peux aussi. On va essayer de marcher. Ça va, toi? Avant le boulot, impeccable. Après le boulot, t'as travaillé? Là, je commence à 3h du matin. Si tu peux y aller, Inch'Allah. Si tu te finis pas même à l'hôpital avec un flash de boule dans la gueule. Il y a 406 personnes qui me suivent. Venez nombreux partager mon live venu d'Emmanuel Macron sur la ville d'Angers. Hein? Je rappelle le monde, on va monter nous. On va monter où? Parce que là, ils vont nous encercler. Ouais, t'as raison. J'ai pas mon machin pour gueuler. Fais chier. Quoi, là? On va en haut, je crois. Qui c'est qui a un haut-parleur? C'est où le haut-parleur? En direct d'Angers pour la venue d'Emmanuel Macron. Le président de la République. Le président de la... démocratie. Des riches, des très très riches. Bonjour. Allez, c'est le contrôle là-bas. Salut. Qu'est-ce que ça, les gars? Ça va? C'est un peu la merde. Regardez, bizarre. Ouais, on va bouger là parce qu'en fait, ouais, ouais, ils sont en train ils de ils ont détourné toutes les. Ouais, puis ils ont détourné toute la circulation, tout ça. Ouais, je sais, il faut bouger au ralliement là pour ensuite aller à la presse. Minutes, un quart d'heure, on va bouger. Tu as raison. Tu as raison. Et là, en fait, maintenant, ça y est, on bloque plus rien. Ils ont détourné beaucoup. Donc, non, mais là, il faut aller à la presse. Ah ouais.
Bon, ça va se renforcer à. Je pense qu'on est plus sur mon live. Il est tôt là. Je pense qu'on est plus sur mon live qu'en vrai. Comment ça s'appelle ton. Mon Facebook ? Ouais. Audrey Basile. Audrey. J'ai une B-A-Z-E-T. B-A-Z-I-L-E. B-A-Z-I-L-E. Okay. Audrey, tu penses à Basile Boli, le genre de. Ouais, ok. Voilà, okay. Et Audrey. Ok, ça marche. Même si on ne peut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, mais pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Oui, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Oui, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Oui, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Allez les forains, venez là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bonjour. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Oui, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Attends, je fais attention, il n'y a pas d'eau dedans en fait. Donc c'est très léger. Ça va? Oui, toi? Regarde, regarde, regarde comment je suis une star, tous les gens qui me suivent. Ah, il y a Macron là, attends, c'est sérieux. Hein. Ah, il y a Emmanuel Macron là. Il la... y a Manu. Il y a Manu. Et Manu, rentre chez toi. Y a... Pour dire qu'on ne veut pas. C'est cool. Ouais, il y a beaucoup de filles là. Moi, j'en ai vu sur la route. Non, mais y a, c'est un truc de psychopathe, il y a plus de CRS que dans le vent. Ouais, je... Ah, c'est possible. Ah, ouais, non, mais grave. Même si Macron ne veut pas, tiens. Mais il va falloir bouger, Ludo, je pense, parce qu'on va se faire parquer ici. Il va falloir aller au ralliement. On ne veut pas, nous, on est là. Regarde là-bas, là. Là-bas, c'est blindé de flics, ça clignote comme si c'était Noël, tu sais. Là-bas, bah, tu vois peut-être pas. C'est blindé de flics, ça clignote comme si c'était une guirlande, je te jure. Un sapin de Noël, je sais. C'est vrai, non. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On lâche rien. Et on est là. On est là. Ouais.
âgés. Mais qu'elle n'attend pas là. La privatisation, on n'en veut pas. On n'est pas des moutons, on ne veut pas. On n'est pas enfin. On n'en veut pas. Ah, regardez, il y a la télé. On attend du monde, allez, venez nombreux là pour la venue d'Emmanuel Macron sur le 49 Maine-et-Loire, Angers, centre des congrès. Il vient voir notre maire, Béchu. Venez nombreux. Notre président vient sur la ville d'Angers, Maine-et-Loire, partagez. Venez nombreux. On va lui montrer ce que c'est la douceur Angeville là. Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Je passe à la télé. Elle Macron, oh tête de con, entends-toi. Emmanuel Macron, tête de con, viens chez nous. Elle est mortelle celle-là. Venez nombreux pour accueillir Emmanuel Macron dans la ville d'Angers. Maine-et-Loire, 49. Il y a Manu qui vient. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Oui, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Du bruit, ça marche pas. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bon, ça va? Oui, ça va, merci. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Dans la ville du 49. Angers 49. Maine-et-Loire. Emmanuel Macron. Alan, qu'est-ce que tu branlais, bordel? Oui, toi.
Regarde, j'ai pensé à toi. Regarde toutes les vues que j'ai, voilà. Combien? Et dedans, il y a 300 cœurs, tu vois. Doya. On va parler hier. Une voiture Louis Vuitton. Regarde ce qu'il y a. Ah là là, une voiture, ah ouais. Oh. Ça va? Alors comme ça tu veux rentrer dans les chats noirs toi? Hein? Comme ça tu veux rentrer dans les chats noirs toi? Ouais. Trop bien, génial hein? Ah ouais. Bienvenue. Faut taper une cuite par contre avant. Faut taper une cuite avant. Pas de problème. Et du coup tu rentres. T'inquiète. Tape une cuite et tu rentres. C'est ça va, c'est pas grave. Ouais. J'ai une pierre dans la main, mais je vais faire des... Je vais faire du bruit sur les pancartes. Tu vas me dire qu'est-ce que tu fais avec une pierre? C'est pour la lancer dans la tête à Macron. Je vais leur donner de la lecture, moi ils vont t'en faire. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'arrête pas de dire parce qu'on va se faire parquer. Ça va se faire. On est là. Non, j'ai pas dit je crois. Mais si, moi je suis en live et du coup il y en a qui disent que les forains ils viennent là. À quelle heure ils seraient là? Bah je sais pas, les forains vous venez à quelle heure là? On a besoin de vous, du renfort. Partagez, venez vite. Il y a Emmanuel Macron qui devait venir chez vous mais au final il vient chez nous. Donc venez avec nous. Venez foutre le bras. Allez, venez foutre le bordel. 9 motards là-bas. 9 motards là-bas, bordel, ils se croivent aux 24 heures du Mans Moto ou quoi? Nous on est là. Là clairement tout à l'heure ils sont en train de lasser. Hein. Regarde là-bas. Ouais, là il nasse. Là ils sont lassés. Moi je vous dis, il faut bouger. Ah bah oui, il faut bouger là, c'est ce que j'arrête pas de dire. La boîte, ça. Ah mais j'ai fait quoi? J'ai fait que gueuler là. Bravo. Non, je voulais pas qu'il me conquiste. La venue d'Emmanuel Macron dans le 4-9, Angers, venez nombreux. Ça y est, il y a la compagnie là du 24 heures du Mans là. Bon allez hop, on bouge là. On va se faire parquer, on décale. Non, mais pas avec eux, pas avec eux. Bah, on sait jamais s'ils nous foncent dedans. Putain, ils font quoi là le 24 heures du Mans Moto ou quoi? Non, ils vont faire la ils vont faire la circulation. Le bordel, ils vont faire. Attends, j'ai une pierre dans ma poche, je sais pas. Je voulais foutre le bordel, mais au final. On en trouvera d'autres. Oui, t'inquiète. J'avais pensé d'apporter un string pour faire un lance-pierre. Comme t'es comme tu le m'as mec. Fait peur là. Non, t'inquiète. Un string jaune pour faire un lance-pierre avec une poule dans la tête. Des ballons jaunes. Attention! Merde, il voulait pas travailler. On fait la grève là, il y a Emmanuel Macron qui vient là. Ça, c'est bon. Voilà, j'ai chauffé les mondes de vie. Merci les gens de me suivre et de partager ma vidéo. Franchement, vous êtes trop mignons. Bah on est là. Ouais, mais on est là. Oui, on est là. Ah, j'ai plus de voix. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais, même le bus. Vive les gilets jaunes, ouais. Il y a un gilet jaune. Il y a un gilet jaune dans le bus là. C'est notre collègue là. La venue d'Emmanuel.
Emmanuel Macron, sur Angers, 49 Maine-et-Loire. Venez nous rejoindre là, plus on est nombreux, mieux on est. Il y a Manu qui vient nous rendre visite. Eh, hey, on peut décaler là. Oui, mais je sais bien, mais c'est pas moi qui commande. C'est bordel là. Ah oui, il faut les donner à... Tiens, il faut les donner à 30, toi, t'as un sac à dos. 30 fourgons qui vont... Fred, oui, t'as un sac à dos. Ah, ils ont, oui. Ils ont fait est-ce des que tu peux lui donner les papiers? J'ai fait des tracts enfin, pour les réformes ouais, Blanquet, pour que tu donnes à, au monsieur qui était hier, là. Oui, bah oui, je sais. Celui-là qui a les lunettes qui était au fond de la salle sur l'ordinateur, qui vient avec toi demain. Voilà. Et c'est qu'il faudrait qu'il me les coupe. Parce que du coup, j'ai sorti 500 et il y a 4 papiers dessus. Donc du coup, voilà. Bah, je lui transmets, il est là, de toute façon. Je lui ouais, je sais, je l'ai vu, il m'a dit de te les donner à toi. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Je t'en prie. Voilà, ouais. Tu prends une décision, là. Ou quoi, là? Oui, on va décaler, là. On va décaler. On va décaler, on va bouger, là. On risque de se faire parquer. On décale. Salut toi. Ça va? C'est bon, allez, c'est bien. Toujours en train de filmer, hein. T'arrêtes ah pas. Ah oui, hein. Alors, regarde le nombre de vues en plus. Hein, oh là là. Ça va toi? Voilà, c'est bon, on va à la préfecture. C'est bon, j'ai donné ton colis à... Ah merci. Je le mets dans mon sac. Ouais, je veux bien, ouais. Bien tenu. On décale, on va là. À la ralliement. Tiens, passe-moi une galop là que je fête l'anniversaire de la fille de Macron là. Manu. Oui. Dans ton cul. Oui. Non, parce que je m'appelle Manu alors. Ah ouais, merde, c'est le mauvais Manu. Ah, j'ai un paquet de Malbon, c'est pas quand t'as mis dans le paquet. Ah ouais. D'accord. Ah, vous l'arnaque. Putain. Ah, si je trouve un vélo, je vais à la maison. Ah oui. Là, le problème, il est ça fait 18 semaines. Qu'est-ce qu'il a lâché Macron? Rien. Il continue à réformer. Hey, il faut décaler là, on va se faire parquer. Ils comprennent pas les gens. Ouais, je suis populaire. Hein. Mais quand même. Ouais. On va pas les mêmes valeurs. Après, je t'avoue que j'ai accepté tout le monde. Il y a 258 qui regardent son live. Au moins, ouais. Coucou la police. Merci, les jeunes. Ah, merci la peinture. J'étais loin, même si je dis un truc et tout, j'avais passé ce qui est passé en Paris et tout. C'est un bon et tout, je te jure, je peux pas te faire. Ouais, non, mais c'est comme si la tout oublié. Bah, c'est toi, tu m'as dit, on prend rien, moi je prends rien. Bah, je pensais que t'avais pris ça, t'as rien, toi. Y'a R. C'est la R. Je veux même pas rentrer chez nous. Non, je me suis pas fait mal. Ouais, ils vont décaler là avant qu'on se fasse. C'est Angers 4-9, les porins sont à l'aéroport. Ils sont arrivés. Ouais, bah mortel. Il faut leur dire aux porins qu'ils viennent après sur la ville. Non, j'ai en photo. Parce que apparemment Emmanuel Macron il viendrait à la préfecture avec Béchu. Donc il faut leur dire de venir. Elle est quand même pas mal. C'est la journée, c'est le plus habitué. Ah oui.
Ça, c'est le commissaire de police d'Angers. Celui-là qui est derrière. Je les connais, je suis gilet jaune à 100% depuis le début. Je mets en photo partout, je suis la star. Mais bon, on va se faire parquer si on reste là. Je pense qu'il faut bouger. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense au ralliement ou bien la mairie, mais il faut monter un petit peu. Je sais pas si on va pouvoir. Parce que là, on va se faire parquer, c'est obligé. Regarde, ils commencent à arriver, discuter, ils sont là-bas. Ça, c'est ce danger, du coup. Et il faut bouger. C'est pour ça qu'ils étaient 500. Il y a le commissaire et tout là-bas en train d'essayer de parler dans le micro. Ouais, mais c'est normal. Et ils disent quoi ? Non, ils sont. Bah, je sais pas, j'ai pas entendu. T'avais pas obligé d'écouter. J'avais pas dit bonjour, je peux écouter. T'as vu, ils ont senti muscleur là-bas. Non, il faut bouger, ma parole, il faut bouger. Ah, ouais, ah, il faut bouger là. Oui, bah, on t'attend, ça y est, c'est bon. C'est bon, ça y est. Ça va bien se passer. Il a dit quoi au micro ? Bah, je sais pas, j'ai pas entendu, mais je pense qu'ils sont en train de parler, qu'ils vont nous parquer. Après, ils ont dit... Il y a les forains qui essayent de venir. Oui, je sais, je suis en live et ils sont en train de le dire. Il paraît qu'ils sont sur l'autoroute. Oui. Ils sont bloqués, non ? Non, ils sont... Ils sont où exactement ? Ils sont à l'aéroport. Ah, ils y sont là ? Ouais. Les forains, vous êtes à l'aéroport et vous venez après ? T'as un contact là ? Ah, j'ai 793 personnes qui me suivent. Bah, tout mais t'as avec ouais, un forain. J'ai vu tout à l'heure, bah, je galère en fait. Alors oui, les forains. Ah, et je peux plus lire les commentaires. On bouge là. Allô les gilets, on bouge, on monte en haut. Discretos, la sonnette gauche du tabac dans la main. Ouais, bah. Coucou, ça va ? Ça va ? Ah, bah, t'as pas vu ? Lui aussi, là. Ah, putain, excuse-moi, ça va ? Et toi ? Désolé. Non, tu peux pas. Tu peux pas te passer. Thank you.
reste. Agir bel évitant les flandrons. Ouais, on fond au courant d'une fois vers le surface. On a l'air copine, ça leur fendue. Liberté, abandon. Pression, s'élargit, c'est tout discours. À son pile que gobe la main, sans l'étargie. Réagir, je vous subis, le prendre en main. Sans revenir, tout le monde. Il faut qu'ils viennent eux-mêmes. Ah oui. Ouais, parce que sinon... Let's go!
le bas, nous on est là. Vous n'êtes pas le plaque. Vous n'êtes pas en vidéo. Vous n'êtes pas les yeux.
C'est à nous. On s'est battu pour le gagner. C'est pas grave pour le garder. On va faire un peu d'éducation parce que là on n'est pas devant nos élèves. Alors on va lire un petit peu le projet de loi de transformation de la fonction publique. Axe 1, promouvoir un dialogue social plus stratégique. Non, je crois que je peux monter sur la chaise. Mais oui, tu peux, vas-y. Je vais alors, je vais enlever mes chaussures au pire. Non. Sérieux, je compte mes chaussettes, je vais laver ça. Ça, je trouve que c'est ça. Bah, au pire, tu veux pas me porter. Essaye le machin rouge, mais ouais. Ah ouais, merci, putain, merci, t'as géré. Ça, j'ai le droit, ça, à l'état. Je suis pas tombé, c'est tout. T'inquiète, il y a un tas qui me rattrapera. Bah, au pire, tu peux me rattraper aussi, bordel. C'est pas génial, ça. Alors, bien sûr, pas de plus réactif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va embaucher les précaires. Alors, élargir le recours au contrat sur les emplois de direction de l'État. Je vais me faire culbuter par un policier, bordel. Bah oui, ça va être mieux. Autoriser un recrutement par voie de contrat sur les emplois permanents de catégorie. Généralisation d'évaluation, bien sûr, qu'on ne travaille pas bien. Sécuriser la rémunération des agents contracteurs recrutés. Et prendre en compte, comme pour les fonctionnaires, leur engagement et leur résultat à l'individuel collectif. Là, il y a un truc qui est bien aussi. C'est mieux reconnaître les mérites individuels dans les procédures d'un emploi et de promotion. Bah oui, on va pouvoir se faire concurrence entre nous. Ah bon? Bah bien sûr. Putain, je crois que c'était un vigile. Là, bah plus, je lui ai demandé de me retenir si je tombais. C'est ça? Policier. Lequel? Monsieur. Ah oui. Là, c'est de la sécurité. Sérieux? Je sais pas. Vous êtes de la police. Vous êtes un agent de sécurité. Bonjour au capital. Salut le capital. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais, t'inquiète, attends, je suis en passant. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Yeah.
magnifique, hein, faites pas passer. Franchement, magnifique, hein. SS! Je croyais que les lunettes de piscine étaient interdites là! Police partout! Justice nulle part! Police partout! Justice nulle part! Roger! Je croyais que t'étais un flic, toi! Soulève-toi! Roger! Debout! Roger! Debout! Soulève-toi! Attention, il va y avoir une première sommation là! Regardez la honte là! Tiens, là, Cédric! Ma mère, t'as vu? Il est mort. Même nous, on est jeune, on n'a pas autant, ça fait mal. Camille, il est toujours sur ton live, ou à toi? Je sais pas, calme Camille qui arrive. Bah, dis-lui, fais attention parce que les battus, ils regardent beaucoup les gens. Les chats, faites attention! Bravo. Venez avec nous au lieu de défendre. Au tabou. Dictature. Là, c'est des malades ou quoi? C'est pas plaisir de voir les jeunes, franchement. Ah si, j'ai tout. Ah, moi aussi. C'est ce qui manque un peu, le samedi. Ah non, d'ailleurs, les étudiants. Ça y est, c'est commencé, ils vont venir avec nous maintenant. Bah, c'est bien. D'ailleurs, et pour un monde meilleur, même si là qu'on ne veut pas, nous on est là. Faut aller leur faire la misère, là. Ouh, de vrai. Nous on est là. Ouais. Ouais. On ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Ouais, putain, Playmobil. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais.
patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Ne nous regardez pas. Regardez-nous. Ne nous regardez pas. Et tu sais quoi, il y a le flic là d'habitude là. Oui. Il est venu me voir, il fait encore vous. Bah oui, bah pareil, il nous a regardé. Oups, il y a un flic qui me sort encore vous. Hein? Il y a un flic qui me sort, il vient voir encore vous. Eh ouais, eh ouais. Là, d'ailleurs, j'avais 1200 vues, hein, trop contente. 1200 vues à la base tout à l'heure. Trop contente. Voilà. Bah, je vais les partager après, mais je compte sur les gens pour qu'ils font. Comment tu fais? Là, tu fais ça là. Après, ça bug mon téléphone. Partager là. Ça fait bugger mon téléphone, donc je compte sur les gens de partager ma vidéo et d'enregistrer. Il y a plus d'ambiance que ça me dit. Ah ouais, c'est le kiff total. C'est mieux là. Angèle, quand t'as chaud. Comme il sanglait la valise d'hier. Salut toi, ça va? Bonjour. La quenelle. Venez nombreux, les forains, on vous attend. Il y a... Apparemment, ils vont venir. Ouais, je sais. Ils sont sur la route. Ouais, les gens, ils vont se dire, c'est quoi tout ce bordel qui est, les flics, là? Ah, ils ont déjà eu un dispositif de c'est impressionnant, je suis sûr. J'avoue, un truc de bâtard, ils ont quoi calfeutriné et tout. Ils l'ont fait exprès, hein. Évidemment. Ça ferait bien qu'on veut la peau de Macron. Ouais, moi, je m'en fous, ce matin, je vais prendre un gilet jaune, mais bon. Moi, je suis en chambre. Ouais, c'est pas tout, on fait travailler pour la mairie d'Angers. Eh, c'est quoi ce truc là? C'est un truc classe ça. Ça se trouve, il est là Macron là. Accueillons Emmanuel Macron. Regardez. En haut du château. Les tireurs d'élite sur le château. Non mais MDR. C'est des malades. Rejoignez-nous pour le président là qui vient nous voir à Angers. On passe voir le musicien. Ouais, ouais, c'est tout là. Voilà. Eh, c'est bloqué là. Ah, c'est bloqué, Seigneur. Et donc là, on est en train de Venez avec nous, il y a Emmanuel Macron qui vient. Travailleur est pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur du travailleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour... Ah putain, c'est les voitures. Vous vous reculez un petit peu, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Bonjour.
On ne veut pas, nous on est là. Ça, je voulais que tu fasses un selfie avec devant le camion comme ça, mais je me suis fait jarter par les filles. Ah non, il a l'air gentil celui qui a de la caméra. C'est le commissaire. Ouais, ouais, ouais. Tiller d'élite. Attends, je vais me mettre devant eux là, ça sera mieux. Parce que sinon ils vont me dégager comme des balles pro. Je kiffe faire Masta. On a fait des selfies avec les CAS. En psychologie, ça, regarde ma poulette. Quoi? Yes. C'est toute la France. Bonjour à toute la France. Il n'y a pas que toute la France, il y a les pays aussi. Résistance. 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 On voulait bloquer là-bas, on était droit, on s'est fait virer. Tu m'étonnes, moi aussi je me suis fait virer, j'ai voulu faire un selfie devant le camion. On est de mettre la main. Oui, c'est moi, c'est toi qui fais l'animation. C'est ça. Merci. J'ai pas emmené mon mégaphone aujourd'hui. Oui, bah, j'ai peur que je me le fasse confisquer. Déjà, ils veulent ma peau, alors. Ah bah oui, on bien. Oui, bah oui, merci. Tellement gueulé hier lors de la manifestation, j'ai plus de voix. J'ai voulu me réserver pour ce soir, enfin pour aujourd'hui. Ouais, mais aujourd'hui. Ouais. J'étais trop énervée hier. Je vais à travers, c'est un président qui vient. C'est trop de la bombe. Non, moi, le moment que j'adore, c'est quand tu passes aux francs-maçons. Ah ouais, alors là, les francs-maçons, alors là, je les démonte de ouf. L'autre fois, j'étais en train de gueuler pédocriminalité et tout, terroriste d'État. C'est dommage que j'ai pas mon truc, j'aurais gueulé ici, là. Putain, je suis dégoûtée. Ouais, j'aurais pu, je suis dégoûtée. Mais c'est pour tout à l'heure, au cas où que... Pour courir, c'est pas terrible. Déjà, j'ai pris une tenue légère, ça brûle là, je me barre en courant. La vieillesse. Je suis une star là, regarde. Il y avait 1500. Ah, je suis une star, elle est con elle. Ah, j'ai une star. Ma petite dédicace à mon frère Yann, qui bosse. Ah oui, le pauvre. À tous les travailleurs. Je pense à toi, Mickaël. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Ouais. Mais je l'ai fait toute la journée. Violence policière. Violence d'État. Violence policière. Violence d'État. Violence policière! Violence d'État! Alors il paraît que la démocratie est de leur côté, c'est ce que disent les édictocrates à longueur de journée. Est-ce que vous appelez ça la démocratie? Quand on met les sentinelles, les militaires qui s'occupent de la répression des terroristes, quand on les met à accompagner les manifestations, c'est ça la démocratie? Mettre des armes en face des manifestants! Ah, Mehdi, ça va? Ouais, toi? Ça va. On ira pas bloquer la rocade? Non, ça les fera chier. Aller bloquer Macron, là. Bah oui, mais là, il a changé de chemin. Il venait par le château, et puis là, ils l'ont rechangé. Ah, nique sa mère, Macron! Ah, s'y attendre, là. T'as vu qui c'est qui est là-haut? Ouais, le collègue. C'est des tireurs d'élite, carrément. Non. Si, je te jure. Voilà. Ah, bien sûr. Tireurs d'élite. Si, je te jure. Ah, on essaye de faire quoi que ce soit, une balle dans la gueule, direct. Rien pour moi. Ah, ouais, avec pour toi, t'es une star, toi. Attends, ouais, ouais, il me ramène le tireur d'élite maintenant. Ah, putain, fais attention, ouais. Ah, ils ont bloqué tout, c'est des malades. Ils ont mis les trucs. Ah, ouais, j'ai voulu faire un selfie derrière un camion de policier de CRS. Ils m'ont dit, mademoiselle, il faut dégager. Il y a un flic qui est venu me voir, il me fait encore vous.
Bah ouais, encore moi. Encore vous, dites vous. Non mais vas-y, j'ai changé de maquillage, comment t'as remarqué que j'étais moins connard. Prochaine fois, je viens avec un foulard jusqu'au nez, une cagoule, tu vois. Alors là, Émile, tu vas te faire arrêter en même au début de la manif. Ouais, mais je vais dire que j'ai une maladie grave, la lèpre, tu vois. Ah oui, là, non, ils vont te laisser, là. Ils vont me dire, tu sais, je vais faire... Ils vont me dire, c'est voilà, bon, ils ont changé l'endroit. Et voilà. Eh, regarde bien toi parce que... Oh, ça se pas les gars. Ça bloque, ça bloque. On bloque. C'est un blocage, vous ne pouvez pas passer. Ok, tu peux aller en Zuta. Elle est où, Rosita? Je vais aller à la maison, je vais venir avec le vélo, par la rocade. Voilà la loi travailleuse qui a ce tapis pâle. Ah ouais, obligé. Obligé. Vas-y, va. Ah, au pire, elle va avec Alan. C'est un côté qui reste dans la manifestation, qui a un vélo, ça serait le lutte sociale et grève générale. Voilà la loi travailleuse qui a ce tapis pâle. Ouais, ils ont envoyé une compagnie de 300 CRS. Enfin, de toute façon, on est des terroristes, les gilets jaunes. Donc, au cas où qu'on fasse un attentat Al-Qaïda sur Macron, je sais pas. Voilà! De toute façon, on est pas pour nous, on est pas arrivé. Toi, tu t'en prends qu'un. Hein? T'en prends qu'un. Non, mais c'est sérieux. Tu vas aller là. Et tu prends mon mégaphone. Tu suivras mon live au pire. Attends, passe les clopes à Alan plutôt. Alan! Tu peux prendre les clopes sur toi sans les péter? Parce que moi j'ai plein de trucs qui risqueraient d'être pétés. Tu vas prendre mes lunettes aussi. Attendez les gens de vous. Battra pour l'heure, battez. Bah, il l'a pris. Et je commence à plus avoir de batterie. On s'est battu pour le garder, on se battra pour le garder. On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder. Il est à nous. On se battra pour le garder, on se battra pour le garder. Et l'autre vélo de la vie, il roule aussi. Ouais. Soulève-toi, Angers, debout, soulève-toi. Ramène-moi une perche à selfie aussi, j'ai mal à la main. Soulève-toi. Oh ma poulette, ça va? J'avais pas vu que t'étais là, ma poule! Soulève-toi! Ah mais je peux pas, voilà, Alan, t'as du crédit? Non. Tu sais, fais chier, voilà. Prenez des parts avec France Télécom, là. De toute façon, j'aurais bien vous. J'ai pas de internet, je l'entendrai. Franchement, Inch'Allah, qu'à la te garde. C'est quoi le problème? Bah, on va aller ailleurs. Je sais pas, là-bas. Tu oublies pas ma perche à selfie, mon mégaphone. Perche à selfie, mégaphone. Et voilà. Dans toute la mer. Bonjour. Je me demandais ce que vous aviez dans votre... Oh ben non, j'ai plein de papiers super intéressants à lire. Je veux bien savoir parce que en fait, j'ai été faire des photocopies sur la réforme Blanquer, un petit document. Ouais. Et j'en ai sorti 500 x 4 pour les distribuer partout. Et ça m'intéresse d'avoir des papiers pour les distribuer également dans mon quartier. Ouais. Un truc de choc, quoi. Là, c'est un petit résumé... De la loi, je l'ai vu. Ouais, alors tu vois, c'est sur les... Il y a surtout le PSF là avec la fusion entre les écoles et le collège. Ouais, ça, je l'ai vu hier. Voilà. Celle-ci, je l'ai vue. Le
l'obligation de l'école à 3 ans, ouais, je sais. Je te remercie, c'est gentil. Et je ferai des photocopies pour les distribuer à tout le monde lors des samedis des manifestations. Parce que je suis également parent d'élèves, donc ça me concerne. Bien sûr. Surtout que le collège, parce que mon fils, il est, ils avaient déjà parlé qu'il fusionnait il y a un an et demi. Donc, sur Jean Lursa, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils ont essayé de faire la même chose sur Saumur, là. Voilà, ouais. Donc du coup, c'est pour ça. Et puis apparemment, ce soir, il y a les écoles qui vont être prises. Donc j'aimerais savoir où est-ce que c'est, parce que du coup, on veut venir. Il y a la nuit des écoles, donc il y a des écoles, ouais, ouais. Alors ça. Apparemment, c'est à la Roseraie. Peut-être qu'il y en a à la Roseraie, ouais. Alors, mais j'ai essayé de demander tout à l'heure à des professeurs si ils ont une info un peu plus. Parce que nous, on va y aller, du coup, soutenir. Parce que je pars du principe que tout le monde doit se mettre ensemble, le climat, les gilets jaunes, les professeurs, les gens du CHU, tout le monde. Parce que l'union fait la force. Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc je vais aller voir du côté de la Roseraie. On va savoir un peu quelle école. Moi j'habite à Mont-Plaisir, ouais. Mais un truc pas loin de chez moi, en sachant que j'ai la main cassée et que je peux pas conduire. Donc c'est pour ça. Mais après je suis motivée pour venir à conduire, ça t'inquiète, y a aucun problème. Faut juste que je sache pousser en fait. Je sais qu'il y avait Charles Beignet, Jean-Jacques Rousseau, et après les autres, je sais plus. Viens, on va se mettre là-bas. Putain, je croyais que t'étais une policière. Ah merde, dans les bons casques bleus. Ouais, je pense, ouais. Ah, ça sera mieux, ouais. Ouais, est-ce que je fais les casques bleus, putain. Enfin, je me suis... Ah, je suis vraiment désolée. Mais attends, c'est que t'avais ça aussi. Et après, j'ai dit, putain, non, je suis désolée. Vraiment, excuse-moi. J'enlève mon casque. Ouais, c'est comme ça fera moins grillé. Ah, qui c'est qui fait une sieste, là? Tu fais une sieste? Blanquet, émission. Blanquet, école en marche en arrière. Ah, j'allais gueuler, Alan! Eh, je dis ça, mais je dis rien, mais ils sont en train de nous coller au cul, hein! Ouh, Kevin! Pardon, je suis contente, il y a Emmanuel Macron qui vient, je suis désolée. Elle est où, Brigitte, là? Non, mais il va pas l'emmener, c'est un peu ce qui se passe en marketing. Non, je rigole, c'était une blague parce que du coup, vu qu'il y a Macron, où est Brigitte? Mais il est où, Macron? Macron, il est déjà dans la préfecture. Là. Macron, il est en train de déjeuner. Ah, regarde ce qui arrive, oh là là. Ben oui, bah, c'est eux, j'ai pris une photo tout à l'heure. Tiens, prends-moi ça, 3 secondes, Alan, s'il te plaît. Ouais. Rosita! Rosita! Un petit coucou de toute la France qui te suit, même dans les autres pays. Hé, hey, nique sa mère, regarde, ils sont là-bas, ils bloquent. Là, nique sa mère, le maire et Macron. Mais vas-y, arrête de dire ça, il kiffe. Ah oui, c'est vrai qu'il kiffe, c'est connard. Ouais. Putain, oublie, va te faire enculer. Non, rigole, mais Balcune, bah, il est mort, mais il dit, par contre, toi, c'est bien, mais t'es un peu en sorcier, parce que du coup, l'autre coup, il est grand. Mais non, fais gaffe quand même. On dirait, je lui dis... Non, mais t'es sérieux, là? Non, mais attends, moi, il y a un flic, il est venu me voir. Il y a un flic, il est venu me voir, il m'a sorti. Encore vous? Ah bah on sera toujours là. Eh ouais, encore moi. Ah mais pour eux, cette semaine, il y a eu toutes les manifestations, il y avait du monde, et puis là... Ils sont fatigués. Ah non, mais les gens, ils viennent se dire qu'il faut... Oh, les chats! Ouh, ils sont où, mes chats? Oh, mon chat! Wesh, la compagnie, là, ça va! Hey, tu pourrais répondre quand on t'appelle, toi? Ouais, je peux pas, ma poulette, je suis en live, j'avais 1200 personnes sur mon live. Donc, désolée, vraiment. Salut, ça va? Je suis vraiment sincèrement désolée, mais regarde. J'ai que 746 pour l'instant, mais tout à l'heure, j'en avais pas le tas. Donc, je pouvais pas. Parce que si je fais une mauvaise manipulation sur mon téléphone, direct, tout baise. Ouais, je suis en direct. Tu as un petit mot? Ouais! Attends, je me trompe à chaque fois là. Grenade! Ah putain, j'arrête pas tout à l'heure, je l'ai sorti. Grenade! Eh, mon mari il est malade, il me l'a fait en pleine nuit, wesh. Je dormais, le gars il me fait grenade parce que je prenais toute la place là, moi j'ai sursauté dans le lit. Et en plus, regardez, j'ai mis mon déguisement. Tu savais
quoi? Mon déguisement LCN. Un déguisement chat noir. T'as vu? Donc du coup, je m'étais dit que Camille pouvait me dessiner ça sur mon déguisement chat noir. T'as vu? Grave. Mortel. Camille? Oui. Regarde, j'ai trouvé un truc pour que tu me dessines sur mon déguisement. J'ai un déguisement chat noir. Et regarde, c'est un déguisement chat noir. Ouais, bah, tu l'avais la dernière fois? Non, je l'avais pas, je l'avais envoyé en photo. J'avais les oreilles, mais là c'est carrément Catwoman, s'il te plaît. Donc du coup, Pour l'été, tu pourras mettre que ça comme ça. Ouais, bah voilà, c'est quoi? C'est noir, tu vois. Il n'y a rien dans le dos. En plus, il y a une queue de malade. Il y a une queue de malade. Et du coup, voilà, je me suis dit, de toute façon, je vais manifester que comme ça maintenant en chat. Donc voilà, j'ai trouvé ma tenue. Il faut arrêter les gilets jaunes. Bah, il faut arrêter, de toute façon maintenant je suis une chat noire. Donc, regarde, j'ai même tapé le maquillage chat noir, s'il te plaît. J'ai regardé tout sur internet, ça. Merci. Merci. J'ai galéré, j'ai mis une heure à me maquiller, j'étais en retard, sa grand-mère. Attends, la venue de Macron, bordel. Eh, c'est bien, hier je suis allé au cinéma, c'est pour voir que je connais des mamies, ils vont faire un popcorn. C'est cool. Putain, bien toi, t'as de la chance. Oui, la dernière fois, il me dit... Il me le fait payer deux fois, ce bâtard. Ah, les bâtards, ouais, grave, mais moi, il m'en donne quatre. Je dis, bah, ça fera un popcorn, la prochaine fois, je vais au cinéma, bah, il va... Je vais aller voir Dumbo. Putain, il y a un flic qui est venu me voir, il me fait, encore toi? Il y a carrément le même, un des chefs de la presse, il est venu me voir, et il nous a dit, ça va les gars. Bon après là voilà. Et puis il y a le Gaulois qui s'est fait un peu oublié. Ça sent le hashish quand même. Ah bah c'est ça que j'ai, on l'a vu. Vous avez pas vu Chuck Sabourin? Ah, il y a des tireurs d'élite gate en haut. Vous avez pas vu Chuck Sabourin? Si, on l'a vu, mais je sais pas où elle est. Ouais, vas-y. Regarde là. Tireur d'élite. Bah moi aussi je m'en bats les couilles. Oh, ça bat les couilles, Ah, le pauvre, les flics, ils ont pété un peu, on était en blocage à géant. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait à station. Parce qu'on bloquait, on faisait chier les gens. Quoi. Et donc du coup, enfin pas chier les gens, on bloquait la station. Et du coup, il y avait les flics. Alors du coup, je mets à fond avec ma baffe, assassin de la police. Non mais il n'y a pas le mec qui est venu me voir. Vous foutez de notre gueule et tout. Un petit peu, monsieur. Mais j'ai dit, non, du tout. Non, du tout, ça va pas et tout. Donc après, j'ai enlevé, je me suis planqué. Non mais Laura a tapé une grosse barre et j'ai marqué « On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles !» La chanson à fond. Il est en train de dormir, voilà. Attends, il faisait la sieste. Faut les réveiller un peu. Ah ouais, du coup on a mis un petit peu de son. Et après j'ai mis la musique, il y a le triomphe de l'anarchie. Ah oui. Oh, ça, celui-là, il déboit sa mère. Et après, c'est un hymne de politique. Ah ouais, non mais je le kiffe, c'est quoi, je le connais par cœur. C'est l'hymne de la CNT. Même ma fille, elle connaît par cœur. Même si Macron ne veut pas, nous on a... JJ trop grillé, tu sais. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Attends, j'ai oublié mon outil de travail, je crois qu'ils allaient me le confisquer, les bâtards. Bah, mon mégaphone, pour gueuler sa mère. Donc du coup, j'ai envoyé mon mari chercher mon outil de travail. Bah, c'est à que ma tête, en fait, mes jambes, et mon mégaphone pour gueuler. Parce que nique le système, je travaille avec vous. Comment je pourrais t'en dire, mais en direct, ça fout un peu la honte. Ça peut être un mouvement international. Bon, il est où Macron là? Vous avez des contacts avec. Que je gueule grenade sur Macron. Ouais. Je kifferais faire ça, je te jure. Au moins qu'il se retourne, tu sais quoi, qu'il dise putain, elle est malade celle-là. Ah, mais il fallait venir cette nuit. Hein. Vas-y, il n'y avait aucune personne qui avait des couilles pour venir cette nuit. J'en avais marre. J'étais en train de péter la gueule. Non, mais la nuit, je sais pas s'il n'y a rien qui se passe. Non, mais vas-y, il fallait venir cette nuit bloqué. Hier, j'étais en rendez-vous, en réunion. J'ai dit, il y a quoi de prévu pour Macron demain? Et du coup, j'ai dit, vas-y, on bloque tout et tout, la nuit. Tu parles deux minutes. T'as reçu mon message ce matin pour le rendez-vous au challenge à 14h30? Ouais, mais je viens de le dire que c'était chaud, qu'on partait à Beaupréau après, non? Ah bah non, moi j'y vais pas, bah non, je peux pas, attends, j'ai mon fils à aller. Bah moi j'ai fait exprès de faire garder ma marmaille. Donc toi tu vas à Beaupréau? Bah je kifferais, ouais. Mais moi aussi je kifferais, mais hier je l'ai dit, franchement je voudrais bien, mais je ne peux pas. Il y a un moment donné, il faut que je m'occupe de mon gamin. Ouais, non, ça je suis entièrement d'accord. Tous les soirs chez ma mère. Ouais, c'est ce que tu me disais hier. Là, c'est le seul soir où il va dormir à la maison, quoi. Ah ouais, là, tu profites de ton loulou, j'avoue. Ou la colette, il y a un moment donné. Ouais, t'as raison. Toi, tu pars là-bas.
Bah j'aimerais bien, je t'avoue, ouais. Donc t'as rien décidé. Écoute, si tu veux, il y a une interview pour, qui concerne les femmes du mouvement. D'accord. Une interview sur les femmes du mouvement Gilets jaunes. Ok, et ça c'est à 14h là, c'est ça? 30. Ouais, bah ça fait chier l'heure. Bah ouais, je sais bien que ça fait chier. J'ai demandé s'il pouvait pas reculer son truc, parce que même Carole elle, elle voulait aller à Beaupréau, je crois. Ah mais Carole elle a dû squeezer le jour hein, parce que... Ah, elle aussi on est tellement occupée toute la journée, on s'organise des trucs, mais au final on a déjà des trucs de fait tellement on a... Franchement des fois j'aimerais bien venir. De toute façon on va voir comment ça se déroule. On va voir comment ça se déroule la journée. Ouais voilà, et puis bon tu le sais, et de toute façon, voilà. Si tu veux, tu viens. Et okay. Puis voilà, tu sais que c'est au challenge à ce temps-là. Et puis, ça marche, ok. Tu vois, j'essaie de ramener un peu de nana aussi parce que je sais toujours les mêmes. Et, ouais, ça serait bien que ce soit d'autres personnes qui viennent et qui passent. Enfin, qui disent leur point de vue également. Parce que du coup, j'avoue, nous, c'est toujours nous. Mais il faudrait qu'à ramener deux, trois nénettes en plus. De ça, ouais, ouais, c'est ça. Alors, elle va peut-être nous en envoyer une. Il y a quand même Edita qui vient. Ah, Edita, génial. Ah, la coulée, elle va manquer. Je lui ai dit là, c'est mort. Vas-y, fais la grève de ta guinguette, là, viens ici, là, il y a Macron, là, bordel. Ouais, puis c'est surtout l'interview, parce qu'elle, elle a quand même vachement donné de son temps et de son énergie. Ah bah ouais, ça c'est là. Clair, hein, franchement. Et puis attends, Edita, c'est Edita, quoi. Ah, Edita, c'est Edita, quoi, ça fait partie des les premiers qu'on est là, quoi. Voilà, c'est ça. Attends. Bah, t'inquiète, je vais essayer. Selon ce que la journée et comment qu'elle se déroule, parce que j'avais également envie d'aller bloquer l'école ce soir. Parce qu'il y a école de debout. Ouais. Donc j'avais. Enfin, école de nuit. Il y a trop de trucs à faire. Et là, sans déconner, il y a trop de trucs à faire. Non, mais vas-y, hier, ma journée, je l'ai passée à faire que de courir. Ah, ben pareil. Avant-hier, c'est la même. Bah, depuis de le début de la semaine dernière, je me suis même pas posée. Non, mais c'est ça. Mais moi, c'est pareil. C'est... Alors, et j'oublie tout un tas de trucs. Là, la même. Trop d'infos. Alzheimer, tu sais. Ah bah c'est ça, c'est Alzheimer. T'as le matin avec ta commission média, je te jure, j'ouvre la boîte mail, pouah, j'ai ça. Ouais, fait. Franchement, moi c'est la même. 150 notifications. Vas-y, des fois j'ai même pas le temps de regarder tout. Il faut 5h30. Putain. Tu m'étonnes. Entre ouais, les gosses, ça prenne du temps et tout. Et en plus de ça, à chaque fois que moi je tchatche avec des gens, tu vois. Et à chaque fois les mecs, tu veux que tu discutes avec une personne, c'est une personne qui vient d'un endroit. Avec une histoire, enfin c'est bien particulier. Ouais. Donc forcément, vous, t'es obligé, bah voilà, et donc de développer, etc. Donc, boum, t'as une idée. Et là, t'es là, bah. T'es dans ta tête. Attends, 2 minutes, je parle. Attends, là. Ah ouais, non, mais grave, t'es. Toujours des idées de malade. Sauf par contre, il aurait fallu avoir des bonnes idées pour hier soir pour bloquer Macron, parce que là, on s'est fait niquer de. Bah, on s'est fait prendre de court aussi. Hein. Parce ouais, mais depuis que je l'avais dit, il aurait fallu faire une réunion directe en urgence après la manif des professeurs à Saint-Serge. Là. Après, bloquer, je vous avoue que c'est chaud, hein, parce que là, t'as vu l'armée de Condé. Ah, Nick, fallait dormir devant, là. Ah, mais c'est pour ça qu'ils nous éloignent de la préfecture tranquillement. Et pourquoi on est là, là? Parce que là, il n'y a pas Macron qui va venir, là, c'est ça sert à rien. D'ailleurs, ouais, pourquoi? Putain, ils sont tous là-bas, les... C'est pareil, il y en a un qui a tabassé un petit jeune, là. Quand queue, là. Sur un G. Le petit, les yeux bleus, un peu blond, qui a un tic. Tu sais, il fait toujours ça. Ça vous dit quelque chose? Ah ouais, peut-être, ouais. Voilà, il est tout le temps avec nous. Et ben, samedi dernier, après la manif, il avait encore son gilet. Il s'est fait choper par un fils de pute de chez eux, là, par exemple. Putain, les gros bâtards. Ils l'ont foutu par terre, juste parce qu'il avait un gilet, et le mec qui lui a dit je t'envoie dehors avec ton gilet, je te défonce ta gueule. Quoi ? Un putain de flic qui lui dit ça. Un gamin en plus, un minot. Un putain de baqueux là. Ouais, les baqueux, il est fédère. Putain. Je lui ai dit, la prochaine fois qu'il vient, il nous le montre. Bon, déjà, il va aller déposer plainte, parce qu'en plus, il connaît son nom et tout le bordel. Ah, Lily ! Ça va ? Oui, et toi ? Tu fais pas bonjour, t'es malade encore ? Garde tes microbes. Du coup, t'as mis tes enfants à l'école quand même ? Bah non, Nick, c'est la grève. Ah oui ? J'ai même pas prévenu, elle a appelé, elle a dit que sa mère, je suis occupée, il y a ma... Ça sert à rien si c'est la grève. Ah, c'est pas la grève dans la maternelle, genre c'est ni au collège de mon fils. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est de la merde. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Mais je m'en fous, c'est la grève, Nick. Ça va ?
Ouais, ce matin, ouais. Putain, c'est... C'est quand, c'est aujourd'hui. C'est calme, ça va être chaud, je vais être chaud, je dois aller. C'est ma prime. On est là. Ouais, très très bien ça. Grave. Merde. Ah, la pauvre, elle s'est fait enrouler comme un wrap. Parfait. Merci. Merci. Voilà. Pour l'honneur des travailleurs, une petite... Non, quand ça bouge pas, on a l'obligation d'être sur le trottoir, on n'a pas le droit d'être immobile sur la voie publique. Ah putain, bah, je vais venir avec une bande de chiens. Bah, salut. Quoi? Salut toi. Tu vas prendre le panneau, on est là. C'est une dictature de merde. Ah, vous étiez pas là. Salut. T'es où? On a pas le droit de rester au milieu immobile sur la rue. On est sur la... Depuis quand c'est écrit dans les droits de l'homme, ça? Ah, c'est pas écrit dans les droits de l'homme, c'est qu'ils ont le droit de m'attraper pour rien si je suis en train de rester sur la route. Mike, on est obligé. Mais marcher, j'ai le droit. Heureusement que t'as le droit de marcher. Je suis pas interdit de manier. Ça me parle de fou, là, à l'instant. Ah, il est où? Ah merde! Attends, merci, ça va? On n'a même pas le droit de passer sur la rocade! Non, on est sur les coudes. Les pas du patronat, de l'argent, il y en a dans les pas du patronat. Et il y en a dans les pièces du patronat. Il y en a dans les pièces du patronat. Il y en a dans les pièces du patronat. Il y en a dans les pièces du patronat. Il y en a encore bientôt. Hein? Dans les caisses du patronat, de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. La police, la police. Mais il faut pas aller sur le en dessous là. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Je suis pas trop grand. Voilà la crevette. Merci. Merci, c'est gentil, si merci. Non, il nous voit pas faire. Ok, mon pote, moi, je suis ici. Quoi, il y en a une? Eh, sérieux, il est quelle heure, là? Attends. Eh, dites-moi pas qu'ils vont à Carrefour, parce que là, franchement... Mais non, on va remonter, là. Ah, ils m'ont fait peur, je te jure. Je me suis dit, putain, je croyais qu'ils allaient aller à Carrefour. J'ai dit, vous êtes sérieux ou quoi? Carrefour, c'est pas un blocage, là. Bah, sinon, on s'en bat les couilles, là, il y a Macron, là. Il y a rien de prévu, comme ça. Ta gueule, toi. Moi, je suis venu avec le dit, t'es mon coucou. Ouais. Non, je rigole. Elle est folle. Attends, c'est jamais on passe dans les journaux. J'en profite, bordel. Ah putain, en plus c'est la directrice où est-ce que mes gosses ils étaient à l'école l'année dernière, où est-ce que j'ai pété un plomb, j'ai dit nique ta race, j'ai plus jamais mon fils il vient ici, il est en vacances, là je m'en bats les couilles, appelle l'académie de Nantes, appelle ta mère, appelle tout le monde, j'y irai pas, c'est comme ça. On est là, oui on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Ah, c'est France 3 en plus, je vais passer comme ça. Non, c'est France 3, le kiff de ouf. Et ce qu'il faut, c'est la grève générale, la grève pour tout le monde, tout ça, le Serbia, tout le monde. Ça, donne-moi une clap. Ils sont pas tranquilles, hyper sympas. Il a dit je vois ça. Il a dit je vois ça. Ah mais faut qu'il vienne, c'est... Il est pas là Si, il est parti à la maison, t'inquiète. Non, mais oui, oui, je sais. On l'a croisé. On l'a croisé. T'inquiète. Kevin Chariot. Le mariage. Hein? Il a fait un char. Ah non, si, il est là. Mais il a pas emmené son char. On lui ramène une batterie demain. Ah, c'est génial. Alors, ça. J'ai une petite, on l'a mise en char. Ah, mortel, vous avez géré. Et du coup, ah oui, du coup, c'est ça que je voulais dire. Le 6, je serai là, mais le soir. Parce que du coup, je fête l'anniversaire de mon fils l'après-midi, parce que c'est, bah, c'est le jour de ses 12 ans. On y va le matin. On y va le matin. Ouais, mais le soir. Attends, je vais prendre en photo parce que vous soyez présents sur le sujet. Alors derrière. J'ai oublié ma veste. Du coup, attends, c'est quoi que je disais? Vas-y. Vas-y, tu peux marcher, t'inquiète. Ce que je disais. Ouais, c'est chiant le matin du coup direct et je peux pas venir vous rejoindre l'après-midi. Bah, qu'en plus ma sœur elle garderait ma fille. Donc du coup après je viendrai avec mon fils pour faire faire le truc. Le 16, il faut du monde. T'inquiète, je serai là le 16. Par contre là, il y a pas d'anniversaire, je serai là direct. De ramener le monde. Vas-y, t'inquiète. Ah vas-y, c'est un mardi. Hein ? C'est un mardi. Ah bien, t'inquiète, je vais essayer. Bah, si ça continue là les élèves et tout là. De quoi ? Bah ils viennent avec nous. T'inquiète, je vais essayer de ramener. Déjà là, j'ai dit au petit, vas-y, il y a Emmanuel Macron qui vient. Salut, on s'en bat les couilles, vas-y. T'inquiète, moi je serai là. Il dit qu'il y avait même un instrument. Il doit aller éclairer le briquet. Ouais, c'est la merde. Ils sont où les forains? On a un bravo de toute la France. Je suis suivi partout. Comment on pourrait faire pour aller à la préfecture là? Venez accueillir votre président à Angers, 49 Maine-et-Loire, Emmanuel Macron. Il vient avec notre maire, Béchu, le corrompu. Et ils ont bloqué partout, on peut même pas passer. Bah que, ils marchent avec tout, normal. Ils font leur petite marche. Comment on va faire pour arriver jusqu'à la préf? Hein?
Ah si, on essaye de forcer le passage. Putain, j'ai de ça. Ah, il y a LCI, les gens, wesh. Tout à l'heure, je suis passé à France 3, j'ai fait wouhou, salut, ça va. Ça va. Et puis il y a LCI, je crois, là. Je sais pas si c'est LCI. Attends, tout à l'heure, il y avait un truc de France 3, je suis passé devant, oui, comme ça. 3, et j'ai fait wouhou, j'ai fait comme ça. Là, il faut trouver une solution pour qu'on aille à la préfecture, là, accueillir Macron, là. Putain, il fait chier, ce connard. C'est ce qu'on disait, on est pas assez nombreux, on aurait fait 2-3 groupes autrement. Mais ouais, bah j'ai essayé de prévoir ça hier, moi. On est pas assez. Chier. Angers, debout, soulève-toi. On a besoin de monde, là, pour j'ai bloquer surpris. Macron. En gilet jaune, je suis surpris qu'on fasse surpris, quoi. Ah, fait chier. Putain, c'était aujourd'hui. Ça, ça va bouger. Franchement, aujourd'hui, il fallait bouger. Bah, carrément, On a pas de grave, mais apparemment il y avait les forains qui devaient venir nous rejoindre. Ouais, mais il paraît qu'ils sont à Marseille, à l'aéroport. Apparemment ils ont été bloqués. Ah putain. Mais t'inquiète pas. On reviendra encore. France 3. Gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. T'es mal les gilets jaunes. Le peuple est dans la rue. Non mais c'est vraiment tout pété, hein. Putain, j'ai pas de voix, ça me saoule. Mais mort, c'est quoi ça là? C'est la boutique à Brigitte là. 150 euros. Tiens, bah la prochaine fois, si on sait pas quoi bloquer, on va casser. Casser même limite. Juste la bordelie. Résistance. Résistance. Voilà, il faut faire quoi sur le bordel? Résistance. Macron ne veut pas, nous on est là. Là j'ai plus de voix moi. J'ai plus de souffle, je vais décéder. On va boire un bon les miels. Il faut que je boive une bonne Red Bull, ouais, ou un bon café. Un bon vote. Avec nous les Angevins pour accueillir Emmanuel Macron.
Avec nous les Angevins, là, il y a Emmanuel Macron qui vient. Allez, rejoignez-nous pour Emmanuel Macron qui vient rendre visite en Maine-et-Loire.